Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ça rentre dans ma collection. Un ça rentre dans ma collection peu courant, puisqu'on va se faire un spécial 3DS parce que je sais pas ce qui m'a pris à un moment donné. Voilà, j'ai voulu rentrer du 3DS, du Zelda, j'ai cherché du Zelda, du Professeur Layton, du Mario. Voilà, j'ai trouvé quelques petites occasions. Voilà, il y a pas mal de jeux de ma wishlist en fait 3DS. Qui sont rentrés, donc je suis plutôt content. Donc on va voir ça tout de suite avec le jeu que je ne trouve pas forcément, hein, c'est celui que je vais vous montrer en premier. C'est le The Legend of Zelda The Majora's Mask 3D. Alors celui-là, bon moi je l'ai jamais fait. Voilà, c'est un jeu Zelda que j'ai jamais fait. Alors il semblerait qu'il soit très particulier, il y a un système de gameplay assez particulier à ce jeu là. Donc j'ai très très envie de me le faire et de pouvoir me faire ma propre opinion sur ce jeu. Parce qu'il paraît qu'il est vraiment très très spécial, donc il était complet, j'ai même ce truc là, je sais même pas quoi ça sert là, qu'on peut gratter. Voilà, donc tout à fait complet. Alors c'est un jeu qu'on trouve pas, qui est pas donné. Voilà, qui baisse pas. Il baisse pas, donc quand j'ai vu les prix, celui-là je l'ai payé 30 balles sur Vinted, frais de port inclus, enfin frais, tout frais inclus. Ce qui est un prix plutôt voilà, raisonnable parce que ouais, il baisse pas, il est un peu cher. Je sais pas pourquoi ils veulent pas baisser ce prix de ce Majora's Mask. En tout cas, moi c'était un des derniers Zelda qui me manquait sur la 3DS. Donc je suis très 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 content de le rentrer. Et je suis content de rentrer les 3DS parce qu'en ce moment j'y joue pas mal. Voilà. Je suis à fond dans les Mario vs Donkey Kong par exemple. Et un autre Zelda, pas celui-là, mais donc que j'ai envie d'enchaîner derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'avance. Alors le jeu suivant, je l'avais aussi acheté sur Vinted, parce que j'ai eu des lots en fait, hein, sur Vinted. Celui-là fait partie d'un lot de 6 jeux. Ouais c'est ça, hein, j'avais 6 jeux, et l'ensemble des 6 jeux, ça m'est revenu, avec tout frais de port compris, à 9 euros pièce. Donc le Resident Evil Révélation. Donc 9 euros du coup. Hein. Alors c'est marrant, ils ont une espèce de jaquette holographique. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Ben c'est un survival horror. Donc où il va vous falloir défoncer un maximum de zombies. Donc il y a un mode campagne. Un mode campagne et. J'ai dit campagne encore deux fois. Un mode campagne. Mais également un mode commando qui est donc jouable en coop. Je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je l'ai également rentré sur la PlayStation 4. Donc voilà, on le rentre également sur la 3DS. Alors le jeu suivant, je vais me mettre comme ça. Parce que ce sera beaucoup plus simple pour trier. C'était le Mario Golf World Tour. Voilà, pareil. Qui est complet. Donc voilà, ça fait partie de... Voilà, j'aimerais bien avoir tous les jeux avec Mario, parce qu'en général, ce sont des jeux plutôt sympas. Bah, celui-là, voilà, c'est un jeu de golf dans l'univers de Mario. Donc plutôt, en règle générale, c'est plutôt très très arcade. Hein, c'est un peu comme les Smash Football ou les Tennis Aces. Enfin voilà. Alors moi, j'ai jamais joué. J'ai jamais testé ces jeux en version golf. Voilà, en version jeu de golf. Donc je suis très curieux. Donc je vais me le tester assez rapidement celui-là, parce que je suis très curieux de voir ce que ça donne un Mario Golf. Un peu arcade fun, quoi, normalement. Hein. Normalement, c'est plutôt fun, hein, les jeux Mario. Donc j'ai bien hâte de me tester ça. Qu'est-ce qu'il dit? Entraînez votre Mi. Oui, d'accord. On s'en fout. Voilà, le petit Mario Golf. Très content de le rentrer dans la collection, donc qui m'a revenu du coup à 9 euros également. Quand j'ai acheté ça, en fait, je cherchais plutôt un type de jeu. C'est celui-là, c'est les Professeurs Layton, parce que j'ai quasiment le full set, que ce soit DS, 3DS. Il me manque peut-être 2 3DS en fait. Hein. Sinon, j'ai tous les DS. Et donc, je cherchais les Professeurs Layton et je suis donc tombé sur le Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Voilà, ce sont des jeux d'enquête, énigmes, réflexion,
que j'adore, avec plein de mini-jeux. J'aime beaucoup les professeurs Layton. Bah, celui-là, je ne l'ai pas fait, parce que bah, je viens de le rentrer, c'est normal. Donc, du coup, il fait partie du même lot de ces jeux-là. Donc, il m'est revenu également à 9 euros, ce qui est plutôt un prix correct pour les professeurs Layton qui ont tendance plutôt à être à 15 balles qu'à 9. Hein. Donc, c'est à cause de lui que j'ai acheté tout ce lot. Voilà, j'étais parti pour acheter un jeu et j'en ai acheté 6 à la même personne parce qu'elle faisait elle avait deux lots de 3 jeux. Donc, j'ai trouvé que ça revenait à un prix correct quand parce que je vous dis 9 euros. C'est frais de Vinted et frais de port inclus. Donc franchement ça fait pas cher le jeu pour du 3DS qui ont tendance à pas spécialement baisser. Voilà. Il y avait également donc dans ces lots le Hyrule Warriors Legends. Voilà qu'on connaît. Hein. Hyrule Warriors c'est dans l'univers de Zelda, donc pareil et complet. Je sais pas si c'est le même qu'il y a sur la Wii U parce que il n'y a pas les Legends je crois dans le titre de la Wii U et je vois extra content download code. Il y a un code de téléchargement pour un contenu additionnel sur la Wii U. Voilà. Alors il n'a pas été gratté. Mais... Donc ouais. Pourquoi pas. C'est. Voilà, c'est cool. Il y a la doc, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est du Musso. Je suis pas trop fan de ce type de jeu. C'est un peu bourrin, un peu répétitif. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous allez affronter des hordes d'ennemis, vous les défoncez. Je trouve ça peu tactique comme style de jeu. Donc je suis pas. Voilà, je suis pas un grand fan de ce type de jeu. Hyrule Warriors Legends, voilà. Bon, en tout cas, il rentre. Mais il faisait partie du lot, donc voilà. Il rentre dans la collection. Parce qu'en fait, les lots, il y en avait un où il y avait les trois jeux qui m'intéressaient. Et l'autre où il y en avait deux, non, et plus Hyrule Warriors. Donc c'était pas le jeu prioritaire. On continue avec Mario Party High Island Tour. Voilà. Donc pareil, ça c'est entre le full set Mario et surtout le full set Mario Party que j'essaye de faire. Je l'avais pas. Alors faut savoir que celui-là, je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais. Je l'ai rentré aussi dans un autre lot. Donc j'en ai un à l'échange, si ça intéresse quelqu'un. Donc celui-là, pareil, il m'a revenu à 9 euros. Hein. Donc il y a 80 mini-jeux inédits là-dedans. Je suis allé voir vite fait, parce que c'est du party game. Hein. Donc du coup, je ne sais pas comment ça se joue. Une carte de jeu pour 4 joueurs. Donc je sais pas comment ça joue, faut se passer la 3DS je suppose. Donc c'est peut-être moins interactif qu'un jeu sur console de salon où là tout le monde joue sur le même écran, donc c'est plutôt cool. Et c'est peut-être pour ça que les notes que je suis allé voir un peu sur internet sont pas terribles. Donc c'est pas. Je pense pas que ce soit le meilleur des Mario Party. Mais bon, voilà, si au cas où, s'il y en a qui veulent échanger, moi j'en ai un deuxième. On va continuer donc avec le dernier jeu de ce gros lot. Il s'agissait du voilà Mario et Luigi Paper Jam Bros. Voilà, que j'avais pas. Donc très très content de le rentrer également dans la collection. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Mario et Luigi. Paper Jam Bros, c'est un RPG en fait, c'est pas un jeu de plateforme ou quoi comme on voit très souvent avec le Mario. Donc c'est une espèce de ouais, on va dire que c'est un mélange entre les Paper Mario et les Mario et Luigi. Donc ça a l'air plutôt sympa. Y a pas mal de critiques positives sur ce type de jeu. Moi je les ai encore jamais fait, c'est parce que je ne jouais pas sur les consoles portables de Nintendo avant. J'avais toutes les autres mais pas celle-là. J'ai joué à la PSP, à la PS Vita, j'ai joué à la Game Gear, même à l'époque de la Game Boy, mais toutes les consoles portables de Nintendo jusqu'à la Switch, je suis passé mais au travers alors qu'il y a des jeux magnifiques. Donc j'essaie de rattraper mon retard, mais c'est pas évident, parce qu'ils n'arrêtent pas de sortir des jeux sur la Switch, donc c'est compliqué. Hein. Voilà, les heures ne sont pas extensibles, donc ce sera très difficile de faire tous ces jeux, mais bon. Voilà, ça rentre dans la collection, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'essaie de les avoir tous.
Ensuite, et ben pour la collection de mon mini full set des Paper Mario, j'ai rentré le Paper Mario Sticker Stars, que je n'avais pas non plus. Donc je suis super content parce que j'ai adoré la version Switch de Paper Mario. Donc j'ai hâte du coup de me faire celui-là. Alors je sais pas si c'est ça doit être pareil, hein, je suppose, hein, c'est une espèce de RPG, ouais, ça a l'air d'être le même type de jeu que ce que j'ai fait sur Switch. Donc il y a de fortes chances que ça me plaise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont préféré celui-là à celui de la Switch, parce que c'est vrai que sur la Switch, il y avait un système de combat un peu compliqué, différent, répétitif, rébarbatif, alors que celui-là, visiblement, c'est beaucoup mieux. Donc très content de rentrer ce Paper Mario Sticker Star dans ma collection 3DS. Et enfin, le dernier jeu, c'est un jeu que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'ai payé 10€ sur Vinted, tout frais inclus, donc c'est un bon prix. Parce que c'est le Donkey Kong Country Returns 3D. Vous le savez, je suis un grand fan des Donkey Kong Country. Donc celui-là, je l'avais pas encore. Donc ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist, hein, que je le voyais passer à 15 balles, 20 balles. Voilà, je me disais, ouais, je vais attendre. La 10 balles tout frais inclus, je trouve que c'était un prix très correct pour ce Donkey Kong Country Returns 3D, que je ne vous présente plus, hein. Il s'agit de plateforme 2D, mais absolument magnifique. J'ai toujours été un grand fan de Donkey Kong Country depuis la première heure. C'est Donkey Kong Country qui m'avait fait acheter ma Super Nintendo à l'époque. D'ailleurs, j'avais le pack Donkey Kong Country, hein, que j'ai jeté comme un con, voilà, parce qu'on était des débiles à l'époque. Voilà, donc mon pack Donkey Kong Country, je sais pas ce que j'en ai foutu, mais je ne l'ai plus en ma possession. Voilà, donc je suis super frustré. Mais voilà, je suis très content de rentrer cette version 3DS. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, comme d'habitude. Franchement, vous êtes toujours très cool sur ce genre de vidéo, ça rentre dans ma collection. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis également, cliquez sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et surtout avoir des vidéos en exclusivité, voire même des gameplays, des let's play en exclusivité. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à nous soutenir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt sur de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.